c'est Didou et aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Donc un tag des 100 questions que personne ne pose. Donc aujourd'hui je vais faire 50. Donc je vais poser la question et y répondre. Et ça se fera donc sur mon ordinateur parce que je n'ai pas le choix. Sur mon portable j'ai pas trouvé. Alors, première question. Tu dors avec la porte de ta chambre ouverte ou fermée? Je dors avec ma porte ouverte et des fois fermée. Deuxième question. Emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche des hôtels? Alors, quand j'avais été en vacances en Bretagne, j'allais dans l'hôtel Ibis et je prenais les petits échantillons pour les ramener chez moi. Je les utilisais pas pendant que j'étais là-bas. Je les utilisais chez moi. Troisième question. Tu dors dans un lit bordé ou pas vraiment fait? Alors, je sais pas si vous voyez derrière, mais c'est vraiment le bordel. Donc, j'ai horreur d'un lit bien fait. Hein. J'aime bien dormir que avec ma couette. Donc après j'ai trop chaud. En plus c'est ma chambre est une pièce où il fait assez chaud. Donc non, je dors pas bordé. Adopter la couverture. Tout va mieux. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Non, je pense pas. J'en ai pas de souvenir. Non, je n'ai jamais volé de panneau. Utilises-tu des post-it? Alors, des post-it, non, parce que j'en ai pas. Et j'avais un gros bloc comme ça. Charlotte Fraise, comme ça date, hein. Je ne fais pas peur. Mais je l'ai perdu. Du coup, plus de post-it. Question. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Alors oui, ça arrive avec mes parents. Et la dernière fois, on a coupé un truc sur un pot de mayonnaise et on l'a jamais utilisé. Je crois bien qu'il est fini, une partie à la poubelle. Sur les autres produits, c'est pareil. Tu préfères être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Je préfère être attaqué par un ours que des abeilles. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Franchement, je sais pas pourquoi vous avez trouvé ça débile, mais je préfère pas un ours. Franchement. As-tu des taches de rousseur? Non, ça se voit. Tourais-tu sur toutes tes photos? Oui. Bah oui, non. Ouais, en grande partie, oui. Là, je souris beaucoup, mais je préfère non plus la déprimer. Ouais. Quel a été ton plus gros caprice? Je sais pas. Comptes-tu les marches que tu montes? Non, pas du tout. Non, je suis pas si gogol que ça. As-tu déjà fait ta petite commission besoin dans la forêt? Quand j'étais petite, peut-être. Mais ça m'étonnerait, hein. Parce que j'aimais pas ça. Alors, et la grosse commission? Non. Jamais. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Non, c'est moi la musique, m'entraîne. Pas dans de... Oula! Je ne peux pas danser s'il n'y a pas de musique. Mâches-tu le bout de tes stylos et crayons? Je le fais plus, je le faisais étant gamine, mais même je me rappelle, je l'ai caché sous mon bureau. Et la maîtresse, à chaque fois, elle m'engueulait, enfin surtout, je lui disais tout le temps, madame, je peux avoir un stylo, et puis regardez sous mon bureau, elle me sortait les quatre stylos bouffés. Donc voilà, je bouffais tout, hein, tout. Mais manger, enfin je veux dire, pas avaler quoi. Voilà, vous comprenez. Merde, j'en ai sauté une. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Avec elle? Tu? Personne. 17ème question. Quelle taille fait ton lit? Alors mon lit est de place, donc on peut tenir à 3 limites. Quelle est ta chanson de la semaine? J'en ai pas. Non, parce que je les écoute toutes. J'en ai plein. Non, les vocaloïdes, j'arrête pas en ce moment. Regardes-tu encore les dessins animés? Oui, j'ai envie de te dire. Ouais. Je regarde assez souvent sur Gulli, des trucs comme ça. T'aimes bien? Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Le plus gros film que j'ai vu et aimé, c'est Pixel. On l'a vu au cinéma et il est génial. Je conseille.
pour ceux qui aiment bien les jeux et tout ça, c'est waouh. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Mon trésor, déjà, je sais pas. Dans mon placard. Que bois-tu en mangeant? De l'eau, du coca, du jus d'orange. Truc basique. À quelle sauce manges-tu tes nuggets? Mange des nuggets avec du ketchup. C'est meilleur. Quel est ton plat préféré? La raclette. J'adore la raclette. Eh oui, j'aime le fromage. Que pour la raclette. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore et... Les studios Ghibli. La dernière personne que tu as embrassée. Mon copain, il y a une semaine. As-tu fait les scouts? Non. Ah non, non. Poserais-tu dénudé pour un magazine? Non, c'est pas mon truc. Franchement, c'est pas mon genre de faire ça. Donc, non. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? Bon, je sais pas, c'est pas daté ça. Parce que je fais tous mes CV et tout ça sur ordinateur. Voilà. Peux-tu mettre de l'essence dans une voiture? Non, mais je sais à peu près dans un scooter. Vu que j'en ai un. Ça doit être le même principe, je pense. As-tu déjà eu un PV ou un excès de vitesse? Non. Surtout avec un scooter qui va 50. Tomber en panne d'essence de voiture? Non, j'ai pas le permis. Ton sandwich préféré? J'en ai deux. Beurre. Saucisson. Et mayonnaise poulet. Avec de la salade. Et des tomates. La meilleure chose au petit déjeuner? Les croissants au chocolat. Un chocolat. Un jus d'orange. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Ça dépend. Des fois ça peut être 21h, des fois ça peut être 20h, des fois ça peut être minuit, des fois 1h, des fois 2h. Ça dépend de mon humeur. Tout ceci rime. Es-tu feignante? Alors, je sais pas. je me trouve feignante, mais je sais pas. Peut-être pas. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Je me déguise en sorcière et je crime. Quel est ton signe astrologique chinois? J'en sais rien. Combien de langues peux-tu parler? Je parle donc français, anglais un petit peu, espagnol un petit peu, et puis japonais un petit peu. Es-tu abonné à un magazine? Avant, oui. Mais plus maintenant. Enfin, on m'avait abonné à un magazine, je sais pas, mais ça me plaisait pas parce que c'était les trucs comme ça, j'aime pas trop. Plutôt Lego ou Domino? Pâte à modeler. Es-tu têtu? Très. Pierre Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Eh ben, je te prends. Pierre Chazou. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Non, je pense pas. As-tu peur du vide? Oh non, m'en parlez pas. J'ai très peur du vide. J'aime pas. Déjà que quand je monte sur une chaise, j'ai peur. Donc, imaginez si je suis dans un avion, que je regarde partout. Non. Chantes-tu dans la voiture? Plus maintenant. Avant, oui. Quand j'écoutais les musiques de Skyrock. Chantes-tu sous la douche? Oui, ça m'arrive. Bah, ça m'arrive plus trop en ce moment, mais ça m'arrive. Je vais chanter des genres des. La gueule! Chantes-tu dans la voiture? Non.
c'est vrai que non, je vais pas danser dans la voiture, mais je veux dire, je vais faire des... Utiliser un pistolet. Non. Jamais utiliser un pistolet. À part en cachou. Plastique. Oui. Bon, allez, puisqu'on est fou, je vais continuer jusqu'à 60 parce que j'ai envie. La dernière fois que tu as été chez un photographe, j'étais chez un photographe pour faire ma photo de carte d'identité et je vous jure qu'elle est horrible. Bah. Aimes-tu des comédies musicales? Non. Du tout. Quel est-il stressant pour toi? Plus maintenant, avant les cadeaux. Ouais, je stressais à mort. Ouais, c'est quoi qu'il y a dans la voiture? Oh, c'est pour moi, c'est pour Noël. Ouais, ça me prend pour être débile, mais franchement, c'est vrai. Tu t'es déjà mélangé à un. Je sais pas si la personne a voulu dire un pigeon. Je sais pas. Il y a marqué pierogi. Je connais pas cette race d'animal. Ta tarte aux fruits préférée. Fraise. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Je voulais être dessinatrice. As-tu aux esprits? Non. As-tu des impressions de déjà vu? Ah Marie, mais c'est rare. Prends-tu des vitamines? Tout à fait, avoué. Parce que je suis pas très active. Je suis molle. Portes-tu des pantoufles? Non, je marche pied nu. Donc voilà, j'en ai fini pour les 60 questions. Donc sur ce, je vous laisse et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.